Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un haul Action. Je reviens tout juste de chez Action. Il fait super beau. J'ai chaud. Il va falloir que je me change parce que moi, ce matin, j'avais mis une robe en laine. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si chaud que ça. Mais avant de vous présenter mon haul Action, je voudrais vous faire part d'une promotion sur l'aspirateur Ultenic. C'est le AC1 Elite, c'est un aspirateur laveur. Donc moi, il est ici, je vais vous le montrer, il est juste à côté. Voilà. Vous voyez, il est juste là. Donc c'est cet aspirateur-là dont je vous parle, hein. L'AC1 Elite, parce qu'il va être en grosse promo sur Amazon pendant une semaine, pendant cette semaine-ci. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ça, c'est un aspirateur que j'ai reçu il y a très longtemps, hein. Il n'est pas tout neuf, hein. Mais comme il va être en grosse promo, je préfère vous en parler maintenant parce que la promo sera valable que sur une semaine. Donc du 18 aujourd'hui jusqu'au 24 dimanche. Et si je vous en parle dans ma... Enfin, je vais vous en parler dans ma vidéo de dimanche, dans mon vlog de la... dans mon weekly vlog, dans mon vlog de semaine, mais il vous restera que dimanche pour faire l'achat. Donc je préfère vous prévenir d'avance, vous saurez comme ça qu'il y a une promo. Je vous mettrai tout en barre d'infos, le lien pour aller sur Amazon. Je ne suis pas payée pour vous en parler, mais comme je reçois beaucoup, beaucoup de questions sur les aspirateurs laveurs, je préfère vous prévenir quand il y a des bons plans. Bon, revenons à nos moutons, en l'occurrence notre haul Action. Alors, je ne sais pas comment je vais vous présenter parce que tout a été mis un peu à l'arrache. Peut-être les plus gros, ouf, 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 les plus gros que j'ai mis ici sur la chaise. J'ai une toile à peindre sur laquelle je vais coller mon DP coffee avec deux tasses, une tasse de café et une tasse de grains de café. Donc je vais le coller là-dessus, ce sera moins lourd parce que ce cadre-là, enfin ce tableau-là, je vais le coller, vous savez, avec du double face sur l'arrière et je vais le coller sur le joue, sur la joue. Pas comment on dit, bref, sur le côté de mon meuble colonne. Et puis j'ai acheté un cadre pour un autre DP que j'ai terminé. C'est un très grand, il fait 40 par 50 et pour mettre des cadres, des tableaux de 30 par 40. Et celui-ci il est à 6,95. Et la toile à peindre est à 1,99. Voilà, comme ça, c'est dit. Voilà pour ce qui est des cadres. Ensuite, comment je vais m'organiser? Peut-être, ça c'est ce qui se mange, je le prends en dernier. Au niveau déco, je suis trop contente. J'ai trouvé l'œuf de Pâques vert turquoise. Et c'est le seul qu'il y avait. Et j'ai sauté dessus. Mais par contre, je ne me suis pas rendu compte qu'il n'y avait pas le cache derrière. Bon, j'ai mis les piles, ça marche. Ça n'enlève rien au truc. Mais il n'y a plus la petite porte qui est derrière. Donc j'ai été trop vite. Comme il y en avait un seul, je l'ai pris. Mais malheureusement, il n'est pas entier. Mais ce n'est pas grave. Je ferai attention et puis c'est tout. Au niveau des couches, ce que j'ai pris également. Oh, il est cassé. Il n'était pas cassé dans le magasin. Je pense qu'il s'est cassé dans le transport. Ici, il y a un pet. Bon, tant pis, hein. C'est un support pour faire fondre des fondants. Vous mettez ici une bougie chauffe-plat. Là-dedans, vous mettez votre fondant. Et comme ça, vous pouvez faire chauffer et puis avoir les odeurs. Car je suis actuellement en test de fondant, justement, qu'une personne m'a demandé de tester. C'est de l'artisanal. C'est une personne qui fait ça pour lui, pour perso, quoi. Et il va peut-être développer son activité si ça marche. Donc, il m'a demandé d'être un peu le cobaye et il m'a envoyé plein, plein de fondants. Donc, actuellement, je les fais. Là, j'en ai mis une. C'est citron, mandarine, basilic. Mais comme ça, j'en aurai deux pour pouvoir tester plus facilement. Donc, je vous en parlerai plus tard en temps et en heure. Ensuite, ça c'est, je pense que c'est une nouveauté, je ne les avais pas vues. Regardez, ce sont des bols avec deux anses et ils sont jolis tout en céramique. L'intérieur est magnifique.
Donc il y avait plusieurs dessins. Moi j'ai pris un rayé et un à poids derrière et je les trouve vraiment vraiment magnifiques. Ils étaient à 2,59 l'unité et ça pour prendre des céréales au petit déjeuner ou à 4 heures, hein, peu importe, ça peut être sympa. Donc hop, je le mets là. Je pense que pour la maison, on va continuer avec de l'adoucissant. J'ai vu que Fabulosa, moi j'adore Fabulosa, je trouve que au niveau fragrance, ils sont au top. Pour les produits ménagers, ils sont au top. Et j'ai vu qu'ils faisaient de l'adoucissant. Il y a 1 litre pour 1,99€. Donc top au niveau du prix. Il y avait deux parfums différents donc. Je ne les ai pas sentis dans le magasin, mais j'ai dit, je suis sûre et certaine que ça sent bon. Je vais quand même les sentir maintenant. Celui-ci, c'est fraise. Non, fraise. Fraîche brise. Ça sent propre. Voilà, ça sent vraiment le propre. Dirais du fleur de coton un peu dans ce style-là. Et celui-ci, c'est Lush. Pomégranaté. Donc pomégranaté, je sais que c'est le fruit, la grenade. Je préfère l'autre. Il sent bon, hein, c'est un adoucissant, donc forcément ça sent bon, mais pour le linge, moi j'aime bien le côté frais, quoi. Là, ça sent un peu le fruit, la fleur, bon, mais c'est bien quand même. Ensuite, ce que j'ai pris, je vais vous le montrer parce qu'il est juste là, il est devant la caméra. C'est un bouquet qui est en sachet comme ça. Et j'ai trouvé que c'était joli au niveau des fleurs, ça fait très printemps. On dirait un bouquet des épis de blé. Ou il y a des feuilles d'eucalyptus, c'est très printanier. C'est vraiment des fleurs, des fleurs sauvages, quoi. Mais j'ai trouvé très joli et je me pensais le mettre dans mon vase parce que je me suis fait un vase de Pâques, de déco de Pâques, de centre de table. Et je pensais le mettre dedans. Maintenant, je trouve que c'est un peu serré, mais bon, il faut que je m'habitue. Mais je le prendrai en photo et je vous mettrai. Et ça, c'était 4,98€. Au pire, si ça ne me plaît pas, je pourrais toujours le mettre dans un panier et puis poser par terre. Il y aura toujours... Vous voyez, c'est joli, hein, ça fait fleur des champs, c'est vraiment joli. Donc j'arriverai quand même à le mettre quelque part, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, toujours pour la maison, j'ai pris du Pipchit pour mettre dans les toilettes. J'ai un distributeur automatique et je n'en ai plus. Et ceux-là, ils sont à 1,69€. Blooming Fantasy, donc c'est bouquet varié, quoi. Et là, je pense que c'est floral. Je pensais lavande, mais non, floral. J'en ai pris deux. 1,69€ les deux, je vous l'ai dit. Toujours pour la maison, j'ai pris de l'Ajax pour les vitres, pour nettoyer ma vitre de cuisine, parce que j'ai le chat qui passe sans arrêt, qui se frotte et se refrotte et frotte. J'ai plein de poils sur ma vitre. Donc à chaque fois, je passe un coup d'éponge, mais j'aurais quand même plus vite fait de dégraisser tout ça avec de l'Ajax. C'est 1,98€ et il y a 750ml. Pareil pour la maison, parce que moi, je mets ça, c'est du Fabulosa, justement, et c'est de l'Égyptienne coton. Et je vaporise ça le soir sur mon emplacement pour dormir, sur mon lit. Et ça sent mais tellement bon, c'est un déstressant, j'ai envie de vous dire. Par contre, j'ai pas le capuchon, mais justement, j'avais descendu le mien parce que vous voyez, il me reste presque plus rien. Il est ici le niveau. Et là, j'ai un capuchon, donc je vais pouvoir le récupérer pour le mettre sur celui-là. Et ça, c'était 1,98€. Et il y a longtemps que je l'ai celui-ci, mais là, il est au bout du bout, hein, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Donc 1,98€ et sincèrement, ça fait un bail que je l'ai acheté. Et j'en mets tous les soirs avant de m'endormir. Toujours pour la maison, sans grand intérêt, mais on en a toujours besoin. Ce sont des éponges, il y en a deux, pour 0,92€. Des serviettes de table à 1,49€ et de mémoire, il doit y en avoir une vingtaine dedans.
Bref, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est 20. Mais elles sont très bien parce qu'elles sont épaisses. Elles sont vraiment bien pour déjeuner. Nous, on ne prend plus de serviettes en tissu, quoi. Ça sont des marqueurs permanents à 0,69. Il y en a 4. Deux noirs, un bleu et un rouge. Ça, c'est pour chérie, c'est pas pour moi. Le obligé, le dentifrice quand on va chez Action. Combien c'était? Je le vois pas. J'ai marqué le prix. 1,79, pardon. Ça, du cirage liquide. C'est chérie qui a pris. Hein. 0,89, cirage noir. J'ai pris des chiffonnettes. Il y en a toujours besoin, des microfibres. Elles sont vraiment pas chères. Hein. Il y en a 3. Non, il y en a 4, pardon. 0,99 les 4. Donc, on va pas se priver. Ensuite, j'ai pris, parce que d'habitude, pour faire fondre dans mon photophore avec des vitres tout autour, ce qui fait que ça reflète, on a l'impression qu'il y a plusieurs bougies dedans, alors que normalement, il n'y en a que 4. Mais moi, je ne trouve que les rouges. Et du coup, là, j'ai vu des vertes et des oranges. Tropical Smoothie, il y en a 24 à l'intérieur. Et là, Aloe Vera. Et c'est 1,44 les 24. Après, pour faire fondre à l'intérieur de mon chauffe-plat, là, il ne faut pas de parfum, puisque dessus, je mets un fondant parfumé. Donc, je ne peux pas mettre de parfum. Et là, j'ai pris des bougies blanches, quoi, normal. 2,99, il y en a 40, par contre. Et pour... Non, pas pour finir. Des gourdes. Il y en a 8 dedans et c'est 1,95. Ça, c'est quand on va chercher le titi à l'école. Quand il sort de là, il est complètement déshydraté. Donc, on lui amène à chaque fois une petite gourde. Maintenant, avant de passer aux gourmandises, j'ai un trio. Ouais, il y a 3 chaussettes. 35, 38. Pour moi, 2,75. Bon, les couleurs, c'est pas celle-ci, par exemple, j'aime pas du tout. Bon, la grise et rose, ça va, ça passe. Et la blanche et rouge, ça passe aussi. Bon, là, celle-ci, moins. Mais bon, les chaussettes quand même. Ensuite, j'ai trouvé ça dans le rayon sport, des pignons de pain. Et ça, j'en mets toujours dans mes salades. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que ça fait là dans le rayon sport? C'est 2,49 le petit sachet de 50 grammes. Pour Minoucha, un gros paquet de 200 grammes à 1,89 de pure perfection. C'est une gourmandise du matin. Et des Haribo Chamallow. Ceux-là sont bons, ceux-là. Bon, je vais éviter de les manger, bien sûr. Et ça, c'était 1,39 le gros paquet de 175 grammes. Et pour mettre dans la voiture, pareil, 139 le gros paquet, mais de 400 grammes. Et ça, sont des bonbons menthe eucalyptus. Voilà, donc je pense que je vous ai tout montré, j'ai rien oublié, je vous ai montré les cadres, donc c'est bon. Et j'en ai eu pour 62,37 €. Voilà, ben j'espère que ce haul action vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas de liker cette vidéo, de commenter, de partager éventuellement et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!